Bonjour, chers créateurs de santé. Marie-Ève ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un autre produit que j'utilise quasi au quotidien. En fait, c'est un nouveau produit qui est disponible depuis quelques mois seulement, du moins ici au avril. Je vais vous le présenter sous une forme plus déjeuner ou dîner. Pourquoi en fait que je vous parle des déjeuners là, ces temps-ci, puis j'ai voulu commencer par ça parce que c'est une des questions que je me fais poser le plus souvent dans les dernières années. Marie, c'est quoi toi que tu manges au déjeuner? Comment tu as fait pour diminuer la quantité de glucides que tu manges? Hein? On sait que dans nos rôtis, dans nos toasts matinales, il y a vraiment beaucoup de glucides, dans les céréales aussi. On sait que la sécrétion d'insuline du déjeuner est vraiment importante, puis un impact sur tous les autres repas de notre journée. Donc, c'est vraiment important. On le dit souvent, hein, le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Puis sincèrement, je pense de plus en plus que c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je vous parle des déjeuners. Puis, le produit que je vous présente, c'est un produit, c'est un petit peu des wraps, un petit peu comme ma vidéo précédente. Donc, on peut l'utiliser tout simplement frais comme ça ou comme je vous présente aujourd'hui. Pourquoi que j'aime ce produit-là? C'est que, évidemment, c'est un produit qui est sans gluten, sans produits laitiers. C'est un produit qui est également végétalien pour les personnes pour lesquelles c'est important. C'est aussi un produit qui est sans grains. Donc, il y a des gens qui réagissent aux lectines, par exemple. Donc, ils peuvent prendre ce produit-là puis ils réagissent bien. Au niveau des valeurs nutritionnelles là, qu'il y a à l'endo, c'est 28 g de glucides pour 3 pita, 8 g de fibres et 4 g de sucre. Donc, moi, dans la recette que je vous propose aujourd'hui, c'était, comme je dis, je vous explique, c'est un produit, c'est une recette que j'ai faite comme post-entraînement pour une personne qui avait quand même pas une restriction majeure en glucides, donc j'ai utilisé 2 pita, donc ça veut dire qu'il y avait environ 20 g de glucides dans cette recette-là, au niveau du pita du moins. Puis, ce que je vous suggère, les gens qui veulent vraiment diminuer leurs glucides au minimum, ou les gens qui veulent plus avoir une alimentation keto par exemple, de simplement couper votre pita en deux et en utilisant la même quantité de viande, diminuant un petit peu là, les autres ingrédients, évidemment pour que ça rentre là, dans le pita, mais en conservant quand même une très bonne quantité de protéines, mais vous allez diminuer vos glucides davantage, là, plus vers une dizaine de grammes par exemple, pour un seul pita et donc une quantité de protéines qui est suffisante. Donc, je vais vous parler de ce produit-là. Je vais utiliser en fait ce produit-là. Au niveau du produit, c'est un produit qui vient des États-Unis, donc c'est pas un produit qui vient du Québec ou du Canada. C'est sûr que j'aime toujours mieux ces produits-là, mais pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent. Donc, j'encourage les gens qui produisent ce genre de produit-là à en faire du local. C'est sûr que je vais sauter sur l'occasion puis vous le présenter lorsque ça sera présent, mais actuellement, c'est vraiment ça le meilleur produit que je connais. Puis, la recette que je vous présente aujourd'hui, c'est une recette qui est super simple, qui est vraiment rapide et je vous la présente sous une forme plus standard avec du jambon et tout, mais n'hésitez pas à faire des différents essais, là, puis de trouver la recette qui vous convient le mieux. Donc, on y va, je vous montre ça. Donc, voici les ingrédients qu'on a de besoin aujourd'hui. Un œuf, du curcuma qu'on va idéalement combiner à du poivre pour faciliter l'absorption, des tortillas de coco, des jeunes épinards bio, du jambon bio, du fromage de cachou, du pesto maison ou acheté, de l'oignon granulé bio et de l'ail granulé bio. Ces ingrédients-là sont tous disponibles au avril, entre autres. Donc, on commence par nous déposer nos petits pita. On dépose nos petits épinards.
la quantité désirée. C'est pas grave s'il dépasse un petit peu. Ensuite de ça, on ajoute la protéine qu'on veut. Donc moi, je vais ajouter du petit jambon. Puis je vais ajouter également une autre petite sorte de viande sans gluten qui ajoute un petit peu de saveur, un petit peu plus épicée. Donc là, je suis en train de préparer le lunch post-entraînement pour ma soeur Ariane. Donc, j'en ai mis un petit peu plus. C'est pas obligé d'en mettre cette quantité-là si vous désirez en mettre un petit peu moins. Ensuite de ça, on va aller déposer notre fromage de cachou. Ça n'en prend pas vraiment beaucoup, là, en fait. Je vous dirais après une cuillère à soupe, une cuillère à soupe et demie, là, puis c'est amplement suffisant. Donc, on dépose ça grossièrement comme ça. Ensuite, un petit peu de pesto. Si vous avez du pesto maison, c'est encore mieux. Moi, aujourd'hui, j'en avais pas. Donc, j'y vais pour ça. Même chose, pas obligé d'en mettre beaucoup, hein, juste un petit peu et le goût va être là. Donc, pas plus compliqué que ça pour la première section. On va refermer le tout et on met ça de côté. On prend notre bol. On va casser notre œuf dedans. On va ajouter environ un quart de cuillère à thé d'oignons granulés. Même chose pour l'ail granulé. Si vous avez des meetings spéciaux, obligé d'ajouter ça dans notre mélange, mais j'aime beaucoup ça. On brasse. Donc, j'étais pour oublier l'élément le plus important dans cette recette, c'est notre curcuma. Vous pouvez y aller avec une demi-cuillère à thé de curcuma. Vous pouvez également prendre du curry. Aujourd'hui, ça me tentait de le faire simplement avec du curcuma. Ça va rehausser la couleur jaune au niveau du mélange d'œufs. Donc, c'est vraiment, j'adore ça. Puis en plus, on le sait, curcuma, ça a plein de belles propriétés au niveau de la prévention de la santé. Donc, on mélange ça. Je sais, ça a l'air un petit peu avec des petits moutons qui restent ou whatever, mais c'est vraiment pas grave. Une fois que c'est bien brassé, on reprend le petit sandwich et on va le tremper dedans. Un peu exactement comme quand on fait des toasts dorés. Pas plus compliqué que ça. On le retourne à l'autre sens. On le laisse un petit peu reposer. On s'assure qu'il y en a vraiment partout. Et puis, on va aller mettre ça dans notre poêle de l'autre côté. OK. Donc, maintenant, notre huile est bien chaude. Donc, on prend notre sandwich. On le dépose dans notre petite poêle. Et on dépose notre mélange. Sur le dessus comme ça. On ne veut pas perdre rien de ce beau mélange-là. Et on peut même arrêter notre feu pour la dernière partie de la cuisson, pour vraiment que tout à l'intérieur cuise tranquillement et que ça réchauffe aussi tous les ingrédients. Donc, on laisse ça terminer. Je vais partir mon petit fan et on se revoit dans 2 minutes. Donc, voilà notre beau sandwich prêt à être savouré. Je vous suggérerais d'attendre peut-être une petite minute, minute et demie environ, là, pour être sûr de ne pas vous brûler. Je vais juste vous montrer à l'intérieur de tout ça,
De quoi ça a l'air? Donc, vous voyez la belle texture là, à l'intérieur, est-ce que ça donne? Donc, c'est tout simplement l'heure de déguster. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez apprécié la recette d'aujourd'hui. Comme je vous expliquais au début, n'hésitez pas à créer votre propre version. Vous pouvez aller avec une version qui est un petit peu plus fancy, avec du saumon fumé par exemple, de l'aneth. J'utiliserai encore du fromage de cachou à ce niveau-là. Sinon, si vous voulez conserver le jambon ou plus des petites viandes froides, vous pouvez modifier le pesto au basilic par du pesto aux tomates séchées ou mettre vraiment des vrais morceaux de tomates séchées à l'intérieur, des vraies fines herbes également. Donc, soyez créatifs et montrez-nous, partagez-nous hein, vos créations. Moi, mon objectif, c'est que les gens y aient plein d'outils qui puissent manger santé, que ça soit varié, puis qu'ils peuvent utiliser des petits trucs au quotidien. T'sais, si à chaque repas, on ajoute un petit peu d'aliments qui ont certaines propriétés anti-inflammatoires et tout ça, eh bien, c'est sûr qu'il va y avoir une différence au niveau de l'optimisation de notre santé puis de la prévention de notre santé. Que ce soit le curcuma, comme dans cette recette-là, il y a plein de bonnes propriétés. Je vais vous en parler en profondeur un petit peu plus dans les vidéos futures, mais on sait que le curcuma, il y a plein de bonnes propriétés anti-inflammatoires, c'est de plus en plus répertorié dans les études scientifiques. Puis, si on le combine avec le poivre, ça facilite son absorption puis son efficacité. C'est sûr que ce qu'on mange dans une recette comme ça, ça n'équivaut pas hein, aux études scientifiques qu'ils font et tout. Et puis, ça remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé qualifié. Par contre, je pense que c'est en faisant des choix conscients puis en choisissant vraiment intelligemment les aliments qu'on met en notre assiette, on peut faire une différence puis optimiser notre santé. Donc, c'est vraiment ça mon objectif. Donc, aidez-moi à partager ces trucs-là. Aidez-moi à apporter des idées que vous faites ou à montrer des photos des produits que vous utilisez puis me donner votre feedback aussi si vous aimez ça puis ce que vous aimeriez avoir davantage. Donc, ça va m'encourager encore plus à contribuer en ce sens-là. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que vous appréciez ce produit-là. Puis, je vous laisse avec un petit cue sur un des prochains vidéos. C'est que hier, ma soeur et moi, nous sommes allés filmer, prendre des images, interviewer une propriétaire vraiment inspirante d'une entreprise que j'aime beaucoup. On va travailler là, dans les prochains jours sur cette vidéo-là pour vous la présenter. C'est un produit qui est super intéressant, qui est utilisé de plein de façons puis qui a encore plein de belles propriétés. On a vraiment hâte de vous présenter ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Et pour vous donner un petit indice, ça concerne une entreprise qui n'est pas sur la rive sud de Québec et ni sur la rive nord de Québec. Donc, si vous avez une petite idée, c'est quoi? Vous pouvez tenter votre chance. Sinon, je vous présente ça sous peu. Donc, bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Bye. Puis aussi, là, je l'ai fait plus une version classique avec le jambon aujourd'hui, mais je vous invite à l'essayer avec du fromage fumé, du saumon fumé, voilà!